Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 3 de Fortnite saison 2 chapitre 3 qui seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Donc le premier défi va vous demander d'utiliser une poignée d'ascension au circuit Chonquière ou à l'état-major enfoui. Alors vous allez devoir en utiliser deux, donc il est marqué où, donc où au circuit Chonquière ou à l'état-major. Donc je pense que vous pouvez en utiliser deux directement au circuit Chonquière pour valider le défi ou deux à l'état-major directement pour valider le défi. De toute façon, je vais vous montrer les emplacements des poignées d'ascension du circuit Chonquière et de l'état-major au cas où. Comme ça, vous pourrez le faire dans les deux emplacements. Alors regardez ici, au circuit Chonquière, juste ici, il y a une poignée d'ascension qui est juste là. Regardez, hop. Alors la poignée d'ascension, c'est ceci. C'est la tyrolienne qui vous monte, mais verticalement et pas horizontalement. Donc hop, ça vous monte. Et ça, c'est une poignée d'ascension. Donc vous allez devoir utiliser cette poignée-là et une autre poignée. Donc regardez, il y en a une là-bas. Il y en a une là, deux, trois. Il y en a vraiment un peu partout. Il y en a même une là-bas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la tyrolienne horizontale juste ici pour aller utiliser la deuxième poignée d'ascension, donc la deuxième tyrolienne verticale qui est juste là. Alors peut-être que vous pouvez utiliser deux fois la même, hein, mais je ne sais pas, donc faut tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une deuxième poignée d'ascension juste ici. Et normalement, quand vous aurez utilisé la deuxième poignée d'ascension, et ben là, vous aurez terminé le défi. Donc moi quand même, je vais vous montrer les emplacements des poignées d'ascension à l'état-major enfoui. Alors pour l'état-major enfoui, moi ce que je vous conseille, c'est de vous laisser tomber directement dans le petit trou qui est juste ici. Donc vous spawnez ici, vous atterrissez là. Et là, vous sautez dans l'eau directement. Et là, vous pouvez voir qu'il y a deux poignées d'ascension. Donc il y en a une ici à gauche, hop, qui monte vers le haut. Et il y en a une autre qui est juste ici. Donc hop, vous utilisez cette poignée-là. Ensuite, vous retombez dans l'eau. Et vous allez utiliser la deuxième poignée, donc la deuxième tyrolienne, pour terminer le défi. Et dès que vous aurez utilisé les deux poignées, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de fouiller des coffres et des boîtes de munitions aux avant-postes de Lio. Alors les avant-postes de Lio, il y en a 5 ou 6 au total, je crois. Et ceci, c'est un avant-poste de Lio qui est juste en dessous de moi. Donc hop, je vais m'y rendre. Donc voilà, ça c'est un avant-poste de Lio. Ok, c'est bugué, hop. Et ce que vous allez devoir faire, c'est fouiller un total de 3 coffres ou 3 boîtes de munitions pour terminer le défi. Ou alors peut-être, ben, je sais pas moi, un coffre et 2 boîtes de munitions, etc., etc. Donc là, je crois qu'il y a un coffre juste ici. Ouais, effectivement, boum. Donc là, j'ai fouillé un coffre. Apparemment, il y en a encore un deuxième. Je pense que c'est à l'étage juste en bas. Il y en a un deuxième là. Donc là, avec cet avant-poste, j'aurais pas pu réaliser le défi parce que, ben, il me manque une boîte de munitions ou un coffre. Et là, il n'y en a pas de disponible. Donc là, je vais vous montrer les emplacements des avant-postes des gardes de Lio. Donc il y en avait, il y en a une juste ici, donc là où j'ai été. Juste ici. Alors il y en avait une qui était quelque part par ici, mais elle a été détruite. Donc il y a une grosse fumée, elle a complètement été détruite. Donc il y en a une autre, donc celle-là elle est plus bonne, celle-là elle n'existe plus. Il y en a une autre qui se trouve ici, donc on peut le voir, c'est le petit carré qui est juste là. Ça c'est un avant-poste. Au total il y a 4 avant-postes, il y en avait 5 mais il n'y en a plus que 4 parce qu'il y en a un qui est détruit. Il y en a un autre qui se trouve juste ici entre les bombardements, les cratères ici, à côté de Borgo Genesi. Et il y en a un dernier qui se trouve juste ici, au-dessus de Synapse Station. Donc vous allez devoir vous rendre à ces avant-postes-là, fouiller 2 boîtes de munitions ou 3 coffres, 3 boîtes de munitions ou 3 coffres pour terminer le défi. Et dès que ce sera fait, bah vous obtiendrez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander d'installer un chasse-pierre sur un véhicule. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de soit vous rendre à Rocky Reels, parce que là, je trouve blindé de chasse-pierre bien souvent,
ou soit à la pompe à essence qui se trouve juste là. Donc c'est la pompe à essence centrale de la map. Donc vous allez dans la pompe ou dans une autre pompe à essence, hein, vous allez dans une pompe à essence, je pense que vous avez de grandes chances de trouver des chasse-pierres dans les garages, parce que ben, c'est souvent là que j'en trouve aussi. Donc là, par contre, il n'y a pas de chasse-pierres. Alors les chasse-pierres, vous pouvez aussi les trouver dans des boîtes à outils, des boîtes à outils rouges. Donc dans les coffres, je ne pense pas qu'ils en drop. Dans les boîtes de munitions comme celle-ci, je ne pense pas qu'ils en drop non plus. Donc il faut vraiment trouver des boîtes à outils rouges. Ou alors, bien entendu, c'est possible que vous puissiez en trouver posées au sol comme ça. Donc là, je regarde un peu aux alentours de la pompe à essence, voir si je trouve pas une petite boîte à outils ou un chasse-pierre. Et si j'en trouve pas, j'irai directement à Rocky Reels. Rocky Reels, pour voir si j'en trouve pas. Si je trouve pas un chasse-pierre. Donc là, à première vue, je ne trouve pas de chasse-pierre. On va monter peut-être en haut. On va voir s'il n'y en a pas un sur le toit. Non. On va aller voir. Bah, dans la cafette là. Et. Non. Donc pas de boîte à outils. Et je pense que les coffres, ben ça n'a pas la peine de chercher dans les coffres. Ils en donnent pas, je pense. Donc là, je vais quand même aller voir à Rocky Reels. Normalement, à Rocky Reels, c'est sûr que je vais en trouver une. Ok, donc regardez. À Rocky Reels, déjà juste ici, il y a une boîte à outils rouge. Donc dans ces boîtes à outils, vous avez de grandes chances de trouver un chasse-pierre. C'est pas obligatoire, mais vous avez de grandes chances d'en trouver un. Donc là, effectivement, ben, j'ai pas pu l'ouvrir. Mais regardez, il m'a quand même drop un chasse-pierre. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous équiper du chasse-pierre. Et vous allez devoir l'installer sur un véhicule. Donc n'importe lequel. Hein. Par exemple, là, il y a un véhicule. Boum, je prends mon chasse-pierre. Je le lance sur le véhicule. Ça l'installe sur le véhicule. Et ensuite, ben là, ben, j'aurai terminé le défi. Donc c'est pareil pour vous. Donc si vous lancez un chasse-pierre sur un véhicule, ben, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à au moins 30 mètres de distance avec le revolver. Alors tout d'abord, les revolvers, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres. Vous allez pouvoir aussi les trouver posés au sol, comme vous le voyez devant moi. Et je pense que vous pouvez aussi les trouver dans les ravitaillements, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, le revolver, c'est cette arme-là. Donc dès que vous avez trouvé cette arme, vous allez devoir infliger des dégâts à des adversaires à au moins 30 mètres. Donc pour savoir si les adversaires sont au moins à 30 mètres, bah, vous pingez. Là, je vois que le char, il est à 64 mètres. Par contre, je vois pas de garde de Lio. Peut-être... Non, je vois pas de garde de Lio. Ah, peut-être qu'il y en a un là-haut. Mais... Non, c'est pas un garde. Ah, par contre, là, il y en a. Hop. Boum, je le touche. Et vous allez devoir infliger 100 de dégâts. Oui, c'est ça, bien. 100 de dégâts pour terminer le défi. Donc, il est où l'autre? Donc, hop, regardez. Celui-là, il est à combien de mètres? Il est à 28 mètres. C'est un peu trop près. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reculer pour avoir une bonne distance. Et là, boum, 43. Donc là, je serai à 86. Donc là, je vais encore reculer parce que ben, le bot avance. Donc l'adversaire, il fera pareil. Hein. Hop, là, je vois que c'est 43 mètres. Boum, 49. Ok, voilà, 54. Donc dès que vous aurez infligé 100 de dégâts avec le revolver à un adversaire, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à Synapse Station ou à Daily Bugle. Donc, soit vous vous rendez à Synapse Station qui est juste ici en bas pour infliger des dégâts à des adversaires ou soit vous allez à Daily Bugles. Moi, je vous conseille d'aller à Daily Bugles parce que tout simplement, il y a une guerre de gang, enfin une guerre de territoire qui se passe entre les agents des 7 et les gardes de Lio. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est directement d'aller à Daily Bugles, prendre une arme... comme ceci, et ensuite infliger des dégâts aux bots de Lio. Donc voilà, aux agents de Lio, aux forces de Lio. Vous infligez des dégâts aux forces, et normalement, ça devrait valider pour le défi. Si ça ne valide pas pour le défi, il faudra faire des dégâts à Daily Bugles ou à Synapse Station, mais avec des vrais joueurs. Mais normalement, je pense que ça... Les agents de Lio, je pense que ce sont des vrais adversaires. Donc logiquement, vous devriez pouvoir réussir votre défi et valider votre défi en tirant dessus. Et pour terminer et valider le défi, il vous faudra infliger 75 de dégâts à des adversaires, soit à Synapse Station ou à Daily Bugles. Et quand ce sera fait, ben là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses.
Ensuite, le prochain défi va vous demander de faire une émote à au moins 10 mètres d'un personnage. Donc pour réaliser ces défis et pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 2 chapitre 3. Donc moi, ce que je vous conseille par contre, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. À cet petit emplacement à côté du sanctuaire, il y a toujours un personnage qui s'y trouve. Moi, parce qu'en fait, il y a des personnages qui ne sont pas toujours là à la place que je vous montre dans, que je vous ai montré sur la petite carte parce qu'ils se déplacent ou ils n'apparaissent pas à toutes les games. Donc moi, ce que je vous conseille pour être sûr de trouver un personnage, c'est de venir ici voir le visiteur, voilà, qui est juste ici à côté de, du sanctuaire. Donc vous vous rendez ici et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement danser à moins de 10 mètres de ce personnage. Vous faites n'importe quelle danse, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, comme ça. Et dès que vous aurez dansé à moins de 10 mètres d'un personnage sur Fortnite, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir du bouclier en mangeant de la nourriture ramassée sur le terrain. Donc pour ce faire, pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des champignons qui vont vous permettre de récupérer du bouclier sur la map de Fortnite. Donc c'est des champignons que vous allez pouvoir ramasser et consommer la nourriture sur le terrain. Donc par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici sur le gameplay. Donc c'est à côté de Greasy Groove. Donc là, il y a énormément d'emplacements de champignons. Donc je pense que c'est le meilleur emplacement pour faire, pour réaliser ce défi. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre à cet emplacement et regarder. Là, il y a déjà des champignons qui se trouvent juste là, derrière cet arbre. Hop. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les consommer. Regardez un peu tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Et en fait, ce que vous devez faire pour terminer le défi, c'est d'obtenir 50 PV de bouclier. Donc là, il faut savoir qu'il faudra en manger 10 au total pour obtenir 50 PV de bouclier et terminer le défi. Mais je pense que les 10, ils y sont facilement. Donc on va voir. Donc hop, on est déjà à 35 PV de bouclier. 40, 45 et 50. Il y a justement 10 champignons. Après, il y en a un peu plus haut. Regardez, il y en a encore là. Donc là, je sais pas combien il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a encore 7, voilà. Et peut-être que... Ah ouais, regardez, il y en a encore plein là-bas. Il y en a 7 ici. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, il y en a 10 aussi, voire même 11 ici. Donc franchement, si vous venez à cet emplacement-là, vous allez pouvoir réaliser votre défi très facilement parce que dès que vous aurez obtenu 50 PV de bouclier grâce aux champignons, bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'améliorer une arme à un établi d'amélioration. Alors, pour réaliser ce défi et pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des établis de Fortnite chapitre 3 saison 2. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements et ensuite vous allez devoir améliorer une arme à un établi d'amélioration. Donc regardez, là je suis à un emplacement où il y a un établi d'amélioration. Sur ma carte, on peut voir qu'il y a une petite flèche vers le haut, en haut à droite. Et ici, regardez, on peut voir en face de moi, donc même à travers le mur, on peut voir qu'il y a une petite flèche vers le haut. Donc ça, ça s'appelle un établi d'amélioration. Donc, ce que vous allez devoir faire pour terminer et réaliser le défi, c'est d'améliorer deux armes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'améliorer les armes grises. Parce que les armes grises vous demandent que 200 de lingots d'or pour l'améliorer. Et si vous prenez une arme verte, donc de type atypique, pour la rendre rare, il vous faudra 300 lingots d'or. Puis de rare à légendaire, il vous faudra... à épique, je crois, ou légendaire, je sais plus. Je pense que c'est épique. À épique, il vous faudra 400 lingots. Et à légendaire, il vous faudra 500 lingots. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, sauf si vous voulez vraiment jouer avec l'arme en question juste après et continuer votre game, moi ce que je vous conseille c'est tout simplement d'améliorer une arme de niveau de rareté moindre, donc grise, vert, pour améliorer deux armes directement en une seule game et terminer le défi. Ou alors vous améliorez des armes en niveau légendaire ou épique et là vous continuez votre partie avec, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, quand vous aurez amélioré deux armes, bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme légendaire. Alors les armes légendaires, c'est tout simplement les armes en or comme vous voyez ici. Donc vous pouvez les trouver dans des coffres légendaires. Cependant, si vous voulez, vous pouvez aussi améliorer une arme épique, donc une arme violette ou une arme bleue, avec les établis d'amélioration pour obtenir directement une arme légendaire si vous avez de la difficulté à en trouver. Mais normalement, les armes légendaires
Vous allez sûrement en trouver assez facilement. Mais si vous avez trop de lingots et que vous voulez les utiliser, n'hésitez pas à utiliser un établi d'amélioration. Donc ensuite, quand vous avez votre arme de niveau de rareté légendaire, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 150 de dégâts à un adversaire. Donc vous allez devoir trouver un adversaire, ensuite lui infliger 150 de dégâts. Hop, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, je vais infliger 30, 34, 34, ça fait 60. Ouais, donc là, ça fait une histoire de 100 dégâts. Donc, il faudra peut-être deux adversaires pour terminer votre défi, à moins que l'adversaire a du shield. Si l'adversaire a du shield, à 50 de shield, vous allez pouvoir réaliser le défi directement avec un seul adversaire. Et dès que vous aurez infligé 150 de dégâts à un adversaire avec votre arme légendaire, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite saison 2 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.